Bah pour le coup, ça, on va le mettre là comme ça. Et là comme ça. Et donc là, si je dis pas de bêtises, je peux prendre le monde, le mettre. Faut que je clique dessus, non. On va laisser dedans en attendant. Et donc là. D'accord, alors c'est un monde un peu particulier. Alors, je sais que. Alors. Waouh, c'est. C'est très particulier, hein. Mais ouais, on a un monde là. La terracotta. Ok. Bon, là, c'est un monde assez. Assez rudimentaire, j'ai envie de dire. En même temps, on n'a pas mis beaucoup de dimlets ni rien. Hein. Ces espèces d'explosions de matière, c'est un petit peu. C'est un peu ouf. On dirait qu'il y a des météorites qui se sont écrasées, puis que le temps s'est arrêté. C'est assez. C'est très sympa. C'est très très sympa. Donc on retrouve des drills comme... Ah, alors voilà, c'est ce genre de truc par contre que je cherchais. Parce que ça va nous permettre d'avancer. Nous voici avec des nouveaux dimlets. Qui vont nous aider. Donc ils sont au sol. Et donc c'est voilà, c'est ce genre de petite structure, un peu comme dans quand dans la Twilight Forest où on a des petites structures qui nous aident. Là c'est un peu la même idée. C'est ouais, ok. Ok. Ah. Falloir peut-être que j'utilise un peu mon backpack. On va mettre ça là-dedans. Ok. Bon, ça nous fait déjà un petit peu de. Petit peu, voilà. Alors, on va. On peut retourner de toute façon ici à tout moment. Donc on va se retaper à la base. Parce que le jeu voudrait qu'on retourne au point de départ pour repartir. Mais voilà. Ok. Maintenant, on a nos premiers dimlets non craftables en fait. Hein. Tout ça, ce sont des dimlets qui ne sont pas craftables. Et donc là, si je dis pas de bêtises, en fait, je peux. Non. Je peux les mettre là, faire extract, et ça me ramène des choses. Ouais, et ça a changé. Donc ça met à chaque fois un petit peu de temps. Mais à chaque fois, ça me permet de ramener des trucs. Donc.
Là, à chaque fois, ça. Donc, en fait, là, l'idée, c'est en fait de décomposer les 10 000 lettres récupérées pour pouvoir les recomposer avec ce qu'on veut. Avec Mining Biome, par exemple. Si là, je lui demande Mining Biome, il lui faut quoi? Il lui manque un truc, c'est. Je vois pas ce que c'est, si c'est un. C'est un des blocs comme ça, là, le matériel absorbeur, mais. C'est pas celui-là. C'en est un autre. Faut voir ce que c'est. Mais voilà l'idée. D'ailleurs, en soi, résultat, hop, tous les 10 000 lettres qu'il y a là, on va les reprendre. Et on va les coller là-dedans. Alors ça, c'est non. Ouais, sauf que j'en ai trop, c'est ça le problème. Et je peux pas trier en plus. Ok, super. C'est super ce mode. Il y a deux, trois trucs qui vont pas quand même, hein. Mais bon. Bon, ok. Bon, on a réussi à créer un monde. Pour moi, c'est déjà un exploit, hein. En vrai, après, ça va venir, hein, mais. Quel enfer, hein. Merde. Reviens là, toi. Écoutez, j'ai besoin d'une pause. Hein, je vous avais prévenu en début de série. Quand je sens l'overdose arriver, je fais une pause. Donc, je vais juste poser quelques torches pour éviter le spawn de mobs. Et on va voir. D'accord, par contre, quand il est au max, il ne consomme plus. C'est pas une consommation infinie. Ce qui est pas plus mal. Ça évite de que ça me bouffe toute mon énergie. Allez, à plus tard. Bien, donc, nous nous retrouvons. J'ai un disque encore en fabrication. J'en ai fait. Excusez-moi, je disais, on se retrouve. Donc, j'ai un disque encore en fabrication. C'est le troisième. Voilà, là actuellement j'ai 32 millions de storage, je suis à 1 million sur 32. J'ai de la place avec les deux disques voilà, qui se remplissent petit à petit, mais ça se remplit avec les ressources que je sors. Bon, ici, bon, la plupart des minerais sont stockés, c'est l'avantage. Mais il y a 2-3 trucs qui se stockent. Et surtout, j'ai un souci. Alors, on va commencer par ça. Attendez, je vais juste décaler mon casque parce que je suis. Pour le coup, il isole trop. Comment? J'ai. Donc, j'ai fait les tiers 6 des Void Ore Miner. Je ferai pas le Resource Miner pour avoir du Mica et upgrader. Pourquoi? Parce que. comment dire? Ça me sort un item tous les 20 ticks et j'ai 8 Ore Miner, ouais, c'est ça. Voilà, c'est un peu gros, hein, faut dire ce qui est, mais c'est efficace, ça fonctionne très bien, et voilà, donc j'en ai mis deux en haut en plus, ça fait 8 au total,
Ça fait donc là il y a 4, 5, 6, donc 6 et 6, 12, 13, donc ça fait 13 de large, ça fait 13 de diamètre, et je crois ça fait avec le hors miner, ça fait 8 de hauteur. En dessous il y a 7 de hauteur du contrôleur. Voilà. Et donc chacun de ces miners me ramène un item. Comment ça se fait que... C'est quoi ce merdier? C'est le... What? What? D'où ça sort tout ça? Ça me ramène autant que ça. Ça me ramène tellement que, par exemple, mon copain, il n'arrive pas à suivre. J'avais pas vu ça. Non, il y a une couille dans le pâté. Mais là, pareil, le... C'est quoi ça déjà? C'est l'or? Mais c'est quoi cette prod? J'avais pas vu ça. J'avais pas vu ça. Ah! Ah! Ah, je risque d'avoir un problème là. D'accord, ok. D'accord, bon, bref. Bon, c'est pas très grave. Comment dire? C'est dingue, ça prend du autant que ça. Parce que je sais que, voilà, au niveau Biomoplenty, tout ça, c'est un enfer. Voilà, je dois être aussi en carburant, je dois être pas mal là, non? Ah oui! Ah d'accord! Ah oui, même ça se remplit! Ah d'accord, même ça, je suis à 1 million. Ah mais je vais remplir mes... Ah ouais, je suis à la moitié de mes tanks. Pas là, mais ouais, si pareil, je suis à presque 2 millions sur les 4. Ah, c'est un enfer! C'est beaucoup trop! Ah la vache! Je produis beaucoup trop là. Bref, voilà. Et c'est le problème de toute façon qu'il faut régler. C'est que je produis beaucoup trop de ressources brutes et le traitement ne suit pas. Le traitement ne suit vraiment pas. Et je vois même au niveau du copper, il y a encore beaucoup de copper à traiter ou... Oh la vache, cet enfer! Ah bah le copper, j'ai plus aucun problème, hein. Ah la vache! Ah, c'est la violence. Ah, franchement, c'est violent. Il va falloir que je fasse ben, d'autres sorties en fait. Comme je fais pour les autres ressources, là pour le copper, va falloir que je mette d'autres basic casing. Bon, bref, c'est pas grave. Ça encore, ça peut se gérer. Ça peut se gérer en rajoutant des basic casing. Mais moi, j'aimerais, c'est qu'on fasse beaucoup plus de pulvériseurs. Alors là, pour le moment, j'ai mis des pulvériseurs en haut, mais je les gère manuellement. C'est-à-dire que je récupère voilà, tout ce qui est voilà, le charbon. Non, pas le... Pas ça. Le charbon, le quartz. Le quartz, c'est très bien que ça en produise énormément. Voilà, tout ce qui est malachite, tout ce qui est... Voilà, tous ces trucs-là. Ça, faut que ça parte. Voilà. Hop, j'en récupère ça. D'autres. Voilà. Et tout ça, après, je le rejette ici. Et ça sera géré dans le... voilà. Et c'est géré dans les pulvériseurs. Voilà, c'est tout. Puis après, derrière, c'est renvoyé dans le réseau. Et puis, c'est réglé. Pareil, je saturais. Parce que avant j'avais un tuyau qui partait. Donc, ce tuyau-là, si vous vous souvenez, il partait. Il était relié ici, aux items qui repartaient par là. Finalement, j'ai mis un crate. Et un apporteur. Mais oui, c'est absurde. J'ai vu un truc qui partait.
Je crois que il y a un truc qui est mal. Non. J'ai cru voir un oil. Machin, non, ça devait être pas raisonnable. Bref. Voilà. Donc, on a le. Donc, l'idée, c'est de faire des compact machines. Pour en fait faire des compact machines qui sont entièrement remplies de pulvériseurs, de induction smelter, enfin surtout en fait de fours et de pulvériseurs parce que c'est vraiment ce qui traîne le plus. Là j'ai besoin de pulvériseurs pour mes ressources qui sortent des void miners et de fours pour tout ce qui est quartz pour faire du silicone. Et sand pour faire voilà pour faire du sable voilà donc ça c'est en cours et enfin pour faire du verre je veux dire donc le glace enfin le verre là je suis en train de le pré-traiter c'est-à-dire que j'ai lancé 20 000 verres à pré-fabriquer voilà quoi et mais pour le j'avais mis après fabriquer un petit peu de silicone, mais ça suffit pas. Il faut à peu près. Il faut. Attendez, j'ai compté. Il faut 8. Il faut 13, 4 silicone pour faire un 16 millions storage disk. Voilà. C'est très, très, très cher. C'est très, très cher. Mais ça se fait au fur et à mesure. De toute façon, je lance le craft. Puis, bah, quand c'est fait, c'est fait. Hein. C'est tout. Pour le moment, j'ai encore de l'espace, hein, je suis pas limité en espace. Quitte à ce que si ça devient trop ricrac, bah, je ferai des disques, je referai quelques 16K, donc bah, un peu basique pour stocker temporairement. Les 16K que j'avais avant, je les ai vidés grâce au disque manipulator, voilà. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de faire des compact machines. Donc j'ai déjà ouvert le mode dans. C'est NEI, hein, c'est ça, ça s'appelle JEI, c'est ça. Donc il faut faire des compact walls, mais pour ça il faut le multi-bloc miniaturisation. Et ça je crois que malheureusement on ne peut pas l'optimiser. On ne peut pas l'optimiser, on peut pas le comment dire le oh zut le réduire. Non, on peut pas l'automatiser, je veux dire. Ce qui est ennuyeux. Après, on pourra faire des tiny compact blocs. Bon, c'est pas. Voilà. Des normales, des larges. Et des giants. Et l'idée, ce sera surtout de faire, je pense, des giants. Ah non, il y a les maximums aussi. Il y a les maximums. Donc, c'est de faire du 5 x 5. x 5. Alors, il me dit 98. Est-ce qu'il faut. Est-ce qu'il faut que je remplisse entièrement ou pas? C'est la question. Bon. Alors, déjà, on va faire quelques compact machine wall. Et pour ça, de toute façon, il va nous falloir le miniaturisation field projector. D'accord, il nous faut une de ces Game Boy là. Hop, bon, voilà. On va faire ça. Je crois qu'il va nous en falloir une deuxième. Ok, ensuite. Ah oui, alors, ah oui, non, c'est bon, ça va en faire 4. Ok, alors il me manque des choses. Alors je vais directement cliquer sur le projecteur. Donc il me faut une torche de redstone. Et un Eye of Thunder. J'ai pas de blaze rod. On va se faire quelques. On va s'en faire. Bon, pour le moment, j'en ai besoin que d'un. Mais ce serait bien que j'en fasse quelques-uns. Et surtout que je crée le craft de ça. Alors, on le fait, résultat.
On a tout ce qu'il faut pour. Voilà, on a nos quatre projecteurs, ça c'est pas très compliqué. Et là, il va falloir, alors, il va falloir à mon avis que, alors, place 4, opposite each other, the create manipulator, crafting field, right click to get int. D'accord, ok. Alors ça, on va le faire par là. On va le faire par là. Il me faut quelques blocs. Il me faut quelques blocs. Alors, juste un instant. Voilà, ok, petite coupure. Donc, projecteur. Oui, des blocs. Il me faut des blocs. Pour ça, je vais prendre de la sandstone, c'est très bien. On va se mettre. Alors. Pas si loin quand même. Faudrait peut-être pas déconner. Alors, je sais pas vraiment. Je pense que je vais partir de là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah. Mais pourquoi je suis à côté? Bon, c'est là. C'est là que je veux le poser. J'ai plus mon aimant sur moi, il est en recharge. Voilà, et on va le monter un petit peu. On est à quoi là? On est à 4, 5, 6, 7. Allez, on va le mettre à 8 blocs de hauteur. Ah. D'accord, alors. D'accord, ok. Bon. Ok. Ok. Alors, on va le mettre. On va le mettre le plus loin possible. J'ai l'impression que c'était là. Juste vérifier. C'est ça. Donc. Ok. Alors attendez. Bon, l'avantage c'est que je l'ai dans le chat. Donc, ouais, enfin. On va dire là. Je crois que c'est là. Si c'est pas là, j'adapterai. Voilà, je me suis trompé d'une diagonale. Ok. Donc là, ici. Ça va, c'est assez intuitif. Enfin, c'est assez. On est bien guidé. On va dire qu'on est bien guidé pour ce montage. Ok. Ouais, enfin, en fait, il va falloir que je clique sur celui-là plutôt. 14-14. Non. Ah, purée, c'est. Ah, alors attendez. Du coup, ça me va pas. Du coup, ça me va pas. Mais c'est pas grave, je vais quand même le monter. Je vais quand même le monter, mais là où ça tombe, ça me plaît pas. Donc on va le décaler. On va le décaler après. C'est pas bien grave. Je veux juste vérifier que ce soit bien là. Non, je suis trop loin là. Je suis beaucoup trop loin. Mais je suis sur le bon alignement. C'était là, hein. C'était là. Ok. Ok. Bon. Le truc, c'est que je voudrais que ce projecteur-là soit dans ce carré-là. Pas là où il se trouve.
Du coup, je vais juste compter le nombre de blocs qu'il va falloir décaler. 1, 2, attendez, hop. Mais, c'est vachement haut, enfin, bref. Donc ça, c'est bon. Alors, attendez. Hop. Donc il va falloir que je débloque, que je déplace tout de 4 blocs. Ma pioche est trop puissante, hein, encore une fois. Même pas, il va falloir que je déplace tout de 5 blocs. Donc. Et peut-être aussi mettre un poil plus haut. L'achat 8, 9 et 10. Donc on va faire ça. Donc 5 blocs et 2 de hauteur. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et 2 de hauteur. On le placera celui-là là-bas. Hop, ici. 1, 2, 3, 4, 5. Et 2 de hauteur. 4, 5. Et 2 de hauteur. C'est ça, hein? C'est ça. 2 de hauteur. Ok. On va les replacer. Je casserai les piliers après, hein. C'est pas un souci. C'est juste que je veux quelque chose de bien fait. Ok. Donc, comme ceci. Donc, on est d'accord. Je clique quand même pour vérifier, hein. Mais oui, c'est bien ça. Pour le coup, là, il est trop haut. Je pense qu'il était à la bonne hauteur avant, en fait. J'ai déjà posé un stack de blocs, quoi. En vrai, c'est con, il est 3 blocs trop haut. Enfin, ouais, non, il est 2 blocs trop haut. Donc, en fait, la place initiale a été bien, en fait. Enfin, à 8 blocs de hauteur, c'était bien. Hop, on va remettre. C'est pas un souci. On va juste supprimer 2 blocs. On va replacer. Et là, cette fois-ci, ce sera le bon placement. Merde! Non, c'est bon. Alors, c'est bon, mais. Ah, il a bloqué. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on va. Hop. Faut juste que je place un bloc adjacent, parce que là, sinon, il. C'est là qu'il tombe dans le vide, je pète un câble. Hop.
Ah, c'est pas vrai. Allez, ok. Hop, c'est là. Non? Oui, il y a un bloc de sandstone qui t'en kikine. Oh. Ok, bon. Donc là, on est bien. Il y a juste... hop, faudra juste s'y mettre peut-être un truc là, mais ça ira. Alors, maintenant... Novalid Recipe Fund. Ok, d'accord. Va falloir que je fasse un clic droit dessus pour créer, c'est ça, certainement. Bon, en attendant, je vais juste détruire ces structures-là. Okay. Donc là l'idée ce serait de mettre par exemple donc un bloc ici pour le support et alors c'est là qu'on va devoir faire les walls et les walls c'est iron et redstone. Alors on va faire plusieurs tests hein. Donc iron et redstone. Ok, donc déjà 1, c'est sûr. CP for Compact Machine Wall. Est-ce qu'il faut que je donne un coup de... Ok, est-ce qu'il faut que... Non, alors ça c'est parce que j'ai fait un clic droit et résultat je peux suivre comme ça. Ah, ok. J'ai compris. Donc, il me manque encore un truc. Ça, c'est quoi? Non. Ok, il va falloir aussi que je balance de la redstone. Donc, ma touche pour jeter. Oh, donc, il va me falloir deux stacks de redstone. Ok, bon. Alors, j'aimerais faire un autre test maintenant. Donc, attendez, donc ça il veut pas. Mais est-ce que si je les espace. Zut, j'en ai cassé un trop, mais c'est pas grave. Hop, si je fais ça. Est-ce qu'il me trouve nos recipe fund? Ok. Si je balance un redstone. Ok, donc je vais être obligé de les faire un par un. Alors ça pour le coup, celui-là par contre de craft, on pourrait l'automatiser. On peut l'automatiser, je pense.
Il y a un moyen. Donc, on va réfléchir à l'automatisation. Donc déjà, il me faut des placeurs. Placeurs. Hop, on va prendre quelques blocs placeurs. Hop. Donc ça, c'est pas très compliqué. Alors, il va falloir que je pose une sandstone de plus. Là, il va me falloir d'énergie, oui, je peux en tirer de là-bas. Alors, bloc placeur. Ah non! Comment ça, il refuse? Non, 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 mais il refuse pas là! Comment ça se fait? Je suis en dehors de la zone là. Oh, d'accord que si je fais le craft ici, il n'est pas capable de le faire. Non, il veut pas de bloc adjacent. On peut pas automatiser. C'est. Que je voulais automatiser avec un bloc placeur. On va devoir les faire un par un, cet enfer. Il faut que je rebind de ma touche pour jeter des items. Drop item, c'est quand? Par contre, je peux quand même faire un truc. C'est. Ah, comment ça s'appelle? Un vacuum chest. Oui. Je vais le mettre pile poil là où c'est tombé, là il accepte. En dessous il l'accepte. Donc bah c'est parti hein. Faut en faire 98 hein, comme ça. Hein. Je j'ai pas fini. Bah écoutez, je fais ça. Alors attendez, j'avais pas vu. Ok, un craft, ça me fait 16 walls. J'avais pas vu le nombre de walls. Ok, d'accord. Excusez-moi. Du coup, est-ce que j'ai assez pour faire une compacte machine? Bah oui, j'ai assez pour faire une compacte machine. Donc, on va se faire tout de suite une compacte machine. Vous voyez, j'ai utilisé très très peu depuis la coupure, en fait. J'ai fait 4-5 fois le craft, quoi, c'est tout. Ok. Alors, il me faut... C'est du 5x5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça. Ça a l'air d'être ça. Oui, c'est ça. Et puis c'est 3 à l'intérieur. Donc c'est ça. Hop, ok.
Zut. Hop, je vais récupérer. On va déjà pouvoir se faire une première machine. Déjà, on va faire. Hop. Ici, il va me falloir. Là, c'est une émeraude. Emerald block. Emerald. Pas tant que ça, le bloc d'émeraude. Il faudrait vraiment que je refasse tourner ma. Faut vraiment que je trouve un moyen d'automatiser ma. Ma fonderie à villageois. Alors, ok. Donc ça, c'est bon. Hop. Ça, c'est ça. Alors ce qui est cool, c'est que ça a pas besoin d'énergie, les projecteurs. J'ai pas réagi à ça, mais ça a pas besoin d'énergie. J'ai cru qu'il fallait que je tire de l'énergie arrive un moment. Et non. Ok. Donc ça, c'est le truc pour le. Non, pour le maximum. Maximum compact bloc. Et il faut une enderpearl. Il faut une enderpearl pour comme catalyste. C'est extrêmement long. J'ai pas vérifié que c'était le bon craft, hein, mais c'est forcément ça, hein, sinon ça aurait pas réagi. Hey hey! Bon, on va remettre les compacts blocs. On va mettre les ressources ici dont j'ai besoin si jamais j'ai besoin d'en refaire un. Mais. 13 x 13. Ok. Donc on peut faire des salles de 13 x 13 comme ça. Alors on commence par quoi? Moi je commencerai bien. Par la compact machine de. De pulvériseur. Je vais juste traiter rapidement tout ce qu'il y a ici, hein, rapidement. On va hop. Il y a trop de trucs, il y a trop de trucs. Beaucoup trop de trucs. Bon. Attendez. On va juste. Voilà, voilà. Ok, donc c'est tout ça. Déjà traiter le col. Traiter surtout ce qui est le plus important, c'est-à-dire le col et le quartz, parce que ça, j'en ai vraiment besoin. Enfin, surtout le quartz, en fait. L'autre c'est pas forcément important, le all sand on s'en fiche, tout ça. Alors ça va repartir de l'autre côté. Tout ce qui est biome open key ça m'emmerde quoi, mais j'ai levé de la redstone, j'ai pas réagi.
Voilà pourquoi il me faut une compacte machine de ressources à traiter, parce que là ça devient vraiment infernal au niveau. Le prix n'était pas suffisant quoi. C'est le problème. Bon. Mes FPS vont mieux ici par contre, mais bon, ça c'est anecdotique. Alors, comment je procède? En vrai, pour le moment, la seule solution, c'est de tout couper. C'est je coupe tout. Donc ça va mettre du temps à se vider, mais voilà. La question que je me pose, c'est est-ce que si je pose la compact machine, est-ce que c'est définitif? Et si je la recasse, est-ce que ça détruit? Parce que je n'ai jamais fait de compact machine, hein. C'est la première fois que j'en fais une. Donc vous avouerez, je sais pas trop en fait comment ça fonctionne. Ou alors attendez, ou alors faudrait faire autrement. Faudrait faire autrement. Comme ça. On va plutôt, vu que c'est du traitement de ressources, et tout ce qui est traitement de ressources, je mets un peu là ou par là. On peut plutôt essayer de la jouer comme ça. Ouais, on va essayer plutôt de la jouer autrement. Hop, je vais me mettre ici. Ici, et je dirais même un bloc plus bas. Voilà, ici. Et je pose ma compact machine ici. Déjà, première nouvelle, il me faut des RF. Ça tombe bien. C'est pour ça que j'avais anticipé de le mettre un bloc plus bas. J'ai qu'à tirer un câble. Une UZ. Ok. Oula. Ok, bon, ça me fait sortir. Ok, donc machine 1. Ok, sud. Est. Comment je. Ah, d'accord, ok. Et en fait, il faut que je fasse un clic droit. Non, c'est pas ce que je voulais. Ouais, ça se casse pas ça. Ça ne se casse pas. Alors, je sais que normalement, on peut mettre des inputs, des outputs, des trucs comme ça. Le truc, c'est là comment je fais. Là, j'aimerais, c'est par exemple avoir un input à l'est. C'est ça. Donc, j'aimerais en fait que ça, là, ça devienne un. Entrée. Ah, attendez. Entry point 7, ok. 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 Donc là, j'ai fait les quatre murs. Donc si je ressors. Je ressors simplement avec un clic droit sur un mur. Je sais pas pourquoi là, le West, je ne peux pas rentrer d'item. Enfin, je peux pas rentrer, pas d'item de.
Non mais c'est très beau hein, le cube, hein. C'est très très beau. Mais moi je voudrais rentrer de l'énergie quoi. Est-ce qu'il faut que je le rentre obligatoirement avec par exemple un... tac tac tac, est-ce que j'en ai encore? Non, j'en ai plus. Il va falloir que je recrafte. Ah, j'ai jamais fait le craft de... D'accord. Bon, je vais faire ce craft rapidement. Hop. Là, c'est là. Et ça, c'est du lead de gir. Normalement, il sait le faire, hein, le lead de... pas faire le guerre. Ok. Est-ce que le... Ça, c'est une transmission... Non, c'est un... Reston conductance coil. Il sait pas le faire non plus. C'est de l'électrum, ok. Donc ça... Là, qu'on peut le mettre? Ah oui, j'ai commencé à mettre de l'under-IO aussi, hein, vous l'avez peut-être vu rapidement. J'ai commencé à mettre de l'under-IO... Vas-y, allez, hop. Vas-y, craft-moi 64, tiens. Hop. Voilà, donc ça c'est parti. Ensuite, il nous faut des kits. Et des kits, il va m'en falloir pas beaucoup. Bon, j'en ai 37 pour le moment. Ça ira. Et il me faut juste pour le moment une énergie cell. On va essayer de transmettre de l'énergie avec une énergie cell. On va voir si... S'il est OK avec ça, on va la placer, résultat, au sud. Donc. Et à l'arrière, c'est une entrée. Et on va tirer un câble de plus. Alors que plus convaincu que ça. Bon. On va essayer. Si je pointe vers le sud, résultat, et que je tire un... Non, donc comment je fais? Comment voilà, donc là je bloque. C'est ça qu'il faut que je fasse?
Ok. Il faut que je crée des tunnels. Donc pour ça, avec des blocs. Des blocs de la redstone et un hopper. Ok. Ok, il me faut ça. Il me faut des tunnels. Et ça me crée combien de tunnels? Ça m'en crée deux. Ça m'en crée deux. Il va m'en falloir trois. Bon, ok. Est-ce qu'il me reste encore de la sandstone? Oui, un petit peu. On va. Alors, du coup, je vais mettre un bloc ici aussi. J'ai dû perdre de la sandstone dans l'histoire parce que je. Okay. Donc là, je sais que il va y avoir un souci. Donc ici, on va mettre une glo. Tant pis, je la chiselle pas, on va la mettre comme ça. Voilà, ok. Bon, je me ferai le sol ici, comment qui soit, comment dire, spawn-proof. Alors, déjà, il y a la compact machine avec tout ce qui est ici. Torche. Oh, elle... Rien que ça l'emmerde. Bah, c'est pas grave. Hein. De toute façon, j'ai mis un. J'ai mis une glowstone. Et. Ici, ça doit être 8. Ici, on est à 8. Donc, c'est bon. Hop. Je peux supprimer. Ça. Ok. Glowstone. Redstone, je veux dire. Hop, voilà, il me manque juste un hopper. Ok, donc un hopper, je balance une redstone. Non, c'est pas ça. Ok, faut que je sois à l'extérieur. Sinon, il veut pas. Bon, et comme j'ai dit qu'il m'en fallait deux.